Salut les amis, donc bienvenue sur une nouvelle vidéo que j'ai créée, donc ma première vidéo pour cela dire, donc sur le bouquin Art ludique de Jean-Samuel Criegue et de Jean-Jacques Lenière. Donc c'est un bouquin que j'ai personnellement adoré. Donc j'avais envie de vous faire d'une façon différente la critique d'un livre à la place d'une colonne à l'écrit. J'avais envie de le faire en vidéo. Donc vous aurez l'adresse de mon blog à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit tour de ce superbe bouquin que je me répète encore une fois, j'ai adoré. Donc, c'est parti. Donc, voilà la première de couverture. Donc, ensuite, on va attaquer sur la tranche. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique hein, pour atterrir au niveau du résumé. Voilà. Donc, je vais vous lire. Pour se mettre à peu près en situation, le petit résumé du bouquin. Tout le monde connaît Mario, Picsou, Lara Croft, Spider-Man ou Scrat, le rongeur de l'âge de glace. Mais qui peut identifier les créateurs qui se cachent derrière ces personnages devenus des références dans le monde entier, pour toutes les générations? Shigeru Miyamoto, Karl Barks, Toby Gard, Steve Ditko et Peter Deceph sont les noms de quelques-uns des dessinateurs de génie qui travaillent le plus souvent dans l'anonymat des grands studios et dont le talent est occulté par le succès commercial des productions auxquelles ils participent. Derrière les œuvres, comme Le Chat du Rabbin, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Black Sad, Le Voyage de Chihiro ou Batman, se cachent en effet de véritables prodiges du dessin, de la peinture ou encore de l'image de synthèse. Qu'ils viennent de la BD, du jeu vidéo, de l'animation, ce livre vise à rendre hommage à tous ces créateurs et à mettre en lumière ce nouveau courant artistique issu de l'entertainment qu'est l'art ludique. Voilà. Donc, après, c'est une toute petite parenthèse que je ne vais pas lire, hein, je vais pas vous faire le livre. Hein. Donc voilà, je vous ai mis en situation sur le bouquin. Donc, on va faire ensemble un petit tour de la première partie du livre. Donc la première partie du livre, en fait, c'est différents résumés des thèmes qu'entoure l'art ludique dans son ensemble. Donc voilà, donc on va parcourir un tout petit peu le bouquin sur les premiers thèmes. Alors, je ne vais pas vous spoiler le livre si vous avez l'intention de l'acheter. Donc on y va. Hop, je décale. Donc voilà, donc on a comme différents thèmes la conception. Ils ont aussi voulu montrer comment on faisait des conceptions au niveau des studios de cinéma. Donc là j'ai pris pour exemple, on a la conception des dinosaures pour l'âge de glace, on a des thèmes, j'ai un exemple de thème, un arc plus grand en international, les trois révolutions de l'art ludique, l'art ludique est-elle réelle, l'art ludique contemporaine, enfin voilà, c'est différents thèmes donc qu'on peut adapter. Selon les lectures, je pense qu'il faut le prendre dans l'ordre, mais on peut le prendre dans le désordre aussi, mais c'est plus intéressant parce que ça permet de comprendre plus de choses. Voilà, donc là on arrive par exemple au niveau des secrets de fabrication de l'art ludique. Donc voilà, on a différents storyboards ici. Toujours très bien expliqué dans les différentes colonnes, hein. Toujours très bien expliqué, donc voilà, avec beaucoup d'images. Donc voilà, on fait. Voilà, donc ce que je parlais à l'instant, la conception par exemple d'un dinosaure dans l'âge de glace 2, donc voilà, par la phase de dessin jusqu'à la phase finale qui va apparaître, enfin là c'est pas vraiment la phase finale, mais par la phase numérique en tout cas qui va apparaître dans le film. Donc voilà, on passe sur différents films, donc comme là Azur et Asmar, là comme sur le film Soul Man, donc là c'est un storyboard. Donc voilà, on parle des différentes techniques de dessin. Donc voilà Assassin's Creed. Pour Assassin's Creed 2, là. Donc la composition du personnage d'Ezio. Bien sûr, ça ne parle pas que de jeux vidéo. Comme je dis, l'entertainment, ça regroupe la BD, le jeu vidéo et le cinéma. Donc ces différents milieux artistiques qui se rencontrent. Donc avec des artistes, hein, bien sûr. Qui n'ont, comme l'explique super bien le livre, qui n'ont pas été tout le temps, comment pourrais-je dire, pour le boulot qu'ils font, qui n'ont pas été assez reconnus. Voilà. J'espère que je résume à peu près bien. Donc voilà,
Là, je vous spoil un peu le truc, donc je vais arrêter là. On va passer à la deuxième partie du livre, si je la trouve. Alors, attendez. Je cherche un peu. Désolé, j'aurais dû mettre un marque-page. Voilà, donc là, on trouve la partie panorama. Donc, la partie panorama, c'est des biographies de différents artistes. Donc, comme Miyazaki, Michel Ancel, Giorgio Gardino, l'artiste Benjamin, Peter Desev, Mike Devgo, et bien sûr, Hideo Kojima et Yushi Shinkawa. Donc voilà, donc là on arrive par exemple sur Hayao Miyazaki. Donc voilà, avec toujours de très beaux dessins. Et là, on a l'histoire des artistes qui font l'art ludique. Voilà. Sur différentes productions, l'entertainment. Donc voilà, on va essayer de passer un peu. Donc voilà, Hideo Kojima et Yushi Shinkawa sur différents registres. Donc ça va pas beaucoup se voir à sur la vidéo, mais c'est vraiment imprimé sur du très beau papier, donc c'est vraiment très agréable à regarder quand on a le livre entre les mains. Voilà. Hop, Peter Desev. Donc avec les couvertures de The New Yorker. Donc c'est toujours très intéressant. Regardez, voilà, toujours de superbes illustrations. Artiste Benjamin, un de mes coups de cœur. Donc voilà. Vous voyez des pleines pages de dessins. Là on est sur Michel Ancel, par exemple. Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette partie. Donc voilà, là, je tombe juste sur la petite particularité du livre. Donc c'est Otto Schnell Productions. En fait, c'est considéré comme une biographie d'artiste. Vous allez comprendre si vous lisez le livre. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Donc ensuite, on arrive à la troisième partie du bouquin. Donc la troisième partie du bouquin, c'est l'annexe. Donc c'est aussi intéressant. Parce que ce sont, selon chaque catégorie, en fait, chaque catégorie, donc soit cinéma, soit jeux vidéo, soit BD, dessin. En fait, on a les ventes des top 50 mondiales du jeu vidéo ici. Donc voilà, tout un listing, donc qui commence de Wii Sport et qui finit par Donkey Kong Country. Nous avons les principales franchises de jeux vidéo, donc Mario et Mobile Suit Gunman pour la fin. Donc ça se calcule en millions, hein, bien sûr. Donc ensuite, on a le top des meilleures ventes en planches originales de bande dessinée. Donc voilà. On a pour commencer 764 218 € RG en encre de Chine et gouache de couleur pour la couverture de Tintin en Amérique en 1932, vendu le 29 mars 2008 par Arcurial Paris. Pardon. Donc voilà, donc là on passe, on décote en fait à chaque fois. On passe les pages. Hop là, on va essayer d'accélérer. Donc là on a le top des meilleures ventes d'éditions originales, donc qui commence par le classement américain, donc ici avec 1 117 460 € convertis en euros, parce que autrement c'est en dollars. Donc c'est un exemplaire original de Action Comics, le numéro 1, paru en 1938 et vendu le 29 mars 2010 sur un site internet comicnet.com. Donc voilà. Donc on a le top des meilleures ventes d'animation. Animation art, donc ça c'est des œuvres encore. Donc il commence à 360 000 € pour une gouache sur celluloïde pour le court métrage de la première apparition de Mickey the Bun Concert en 1935, transaction privée entre particuliers en 1999. Donc voilà. Donc ensuite on a le traditionnel page de remerciement pour arriver. Donc voilà, là on a les annexes avec les chapitres. Donc voilà, la table. Et là, ici, on a deux petites biographies pour commencer, de Jean-Samuel Krieg et pour finir de Jean-Jacques Lenier. Voilà. Donc voilà, c'était ma première vidéo de démonstration, enfin de critique. Je ferai aussi ça pour les jeux vidéo, bien sûr. Et surtout pour les bouquins, parce que j'adore lire. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'aider à l'améliorer.
Voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.